Chers amis, aujourd'hui, le dimanche du bon samaritain. Cette histoire, cette parabole est racontée par Jésus pour répondre à la question du docteur de la loi qui lui demande « Qui est mon prochain? » Comme toutes les paraboles que racontait Jésus, l'important dans l'histoire, c'est le message qui lui est attaché. Remarquez ici que Jésus ne donne pas une réponse d'intellectuel théorique. Il ne se met pas à parler de la situation économique de son temps, mais il donne une réponse concrète qui est encore applicable pour chacun et chacune de nous. Dans la parabole de Jésus, le message est très clair. Le prochain, c'est celui dont tu t'es fait proche, que tu sers ou tu dépends s'il est dans le besoin. S'approcher de quelqu'un et en faire son prochain, c'est quelque chose qui ne se fait pas dans les nuages. C'est une démarche concrète dans la vie de chacun. Jésus ici donne un exemple pris sur la vie où on voit une personne en action. Les Samaritains aperçoivent, il fait monter, il porte à l'auberge, il s'assure que les soins nécessaires seront donnés, il paye d'avance. À la fin de l'évangile, Jésus demande au docteur de la loi, lesquels des trois, à ton avis, a été le prochain de l'homme qui était tombé entre les mains des bandits. Le docteur répond, c'est lui qui a fait prévu de bonté envers lui. Et Jésus, de conclure, vois, à toi aussi, fais de même, c'est à retenir. Cette histoire de bon samaritain est une belle histoire édifiante et d'une grande simplicité. Apparemment, elle fait appel à notre sens en nous invitant à nous occuper du malheureux qui est blessé, qui est dans la nécessité. Elle nous invite à la bonne action et à l'engagement caritatif. Dans cette histoire, nous pouvons raconter la figure de Christ à travers le comportement du bon samaritain qui se penche sur l'humanité blessée. Chers amis, aussi loin que l'on remonte dans l'histoire du salut, la révélation nous présente un Dieu qui s'approche, qui rencontre, qui fait l'alliance, qui se sert de sa puissance pour aimer, pour patienter, pour pardonner. L'évangile de ce jour est exigeant en nous demandant de changer notre cœur et notre regard, porté sur l'humanité et de mettre en pratique la loi dans toutes ses implications. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, pour les siècles des siècles. Amen. Quand j'ai vu